face au moderne et aux Sud-Américains en général, presque tous. Donc Villa-Lobos d'abord, Heitor Villa-Lobos, compositeur brésilien. Non, pas encore, pardon. Si, Fernando Sol. Parce que j'ai l'étude 17 de Fernando Sol. Normalement, je le connais par cœur, mais c'est l'émotion. Donc, étude 17 de Fernando Sor, compositeur espagnol un peu plus récent.